Direction la Côte d'Azur et Nice, à l'occasion de la 5e édition de l'Ironman du même nom, Cyril. Un Ironman qui, sur le plan international, fait partie des plus courus. Ouais, un Ironman qui n'a que 5 ans d'existence, mais Nice a tellement un passé dans le milieu du triathlon qui fait qu'il y a beaucoup d'athlètes à venir. Et c'est vrai que cette année, ils étaient plus de 2500 présents sur la Côte d'Azur pour faire cet Ironman de France. Alors les règles, vous les connaissez, 3,8 km de natation, 180 à vélo et un marathon pour en terminer. Une journée longue en perspective, une journée importante pour ces athlètes, ces Français, ces étrangers. C'est surtout une tentative. La tentative, c'est de battre cet homme qui s'est déjà imposé à 3 reprises ici. Ouais, Marcel Zamora. L'Espagnol Marcel Zamora qui est le tenant du titre et qui cause bien des malheurs aux Français qui aimeraient bien s'imposer ici à Nice. Le dernier à s'être imposé, c'est Hervé Faure. Hervé Faure qui est présent cette année. On a vu la présence également de Martina Degana, Alexandra Louison. Quelle stratégie justement pour s'imposer ici à Nice? Le problème de Marcel, c'est que chaque année, il part très vite. Donc les deux années où j'ai fait deux, l'écart que j'avais à l'arrivée, c'est l'écart qui m'a mis sur les 10 premiers kilomètres. Donc si je me retrouve avec lui au départ à pied, il va falloir peut-être changer ma stratégie par rapport aux autres années. Il va peut-être falloir pouvoir le suivre. Donc ça va être une autre paire de manches. Je prendrai certainement des risques. J'attaquerai à certains endroits. Il y a Marcel, on commence maintenant aussi à le cerner. Donc on sait où on peut le déstabiliser. Et je pense que ça va faire justement quelque chose de pas mal, quoi. La difficulté de l'Ironman, c'est d'arriver à gérer, mais d'être quand même très efficace. Et pour être aux avant-postes, ça demande vraiment beaucoup de réglages et beaucoup de finesse. Et ça, c'est dur à trouver, ça se fait au fil des années. Donc à force de faire des courses et de multiplier les contre-performances, on arrive à progresser et puis à être de mieux en mieux. Et j'espère que je serai bientôt très compétitif sur Ironman. Je pense que c'est une épreuve de premier plan. C'est un parcours vélo absolument exceptionnel que nous avons eu, nous, dans notre pays, en Argentine, l'occasion de voir pendant les courses du Tour de France. Et c'est un vrai plaisir que de participer à cette épreuve qui emprunte justement ces tracés. Je pense que les douleurs, les efforts que je devrais subir seront effacés ou amoindris justement par la qualité du décor et le souvenir que j'en garderai. Il y aura beaucoup de monde pour me soutenir, effectivement. Toute ma famille sera là, mon petit ami, mes frères, mes sœurs et beaucoup de fans également. Je compte sur ce soutien pour essayer de réaliser le doublé. Je suis de nouveau ici parce que je pense sincèrement que c'est mon épreuve. Je me suis déjà imposé à 3 reprises, j'aimerais bien à nouveau monter sur la plus haute marche du podium. Je compte effectivement beaucoup sur le soutien du public français qui apprécie mes performances. Je pense que mes principaux rivaux, ce sont effectivement les coureurs français qui connaissent bien l'épreuve, qui connaissent bien le tracé. Comment se passent les choses? C'est un petit peu spécial ici, c'est une course que j'aime beaucoup, le parcours vélo est vraiment superbe, en plus c'est mon terrain d'entraînement. Et puis j'ai tous mes amis, j'ai ma famille qui est venue aussi pour l'occasion. C'est presque un rêve de gosse, même si j'ai commencé sur le tard et que ça fait maintenant ma 9e année de triathlon. On est monté tout doucement sur la distance pour en fait engranger beaucoup de vitesse et puis ne pas griller les étapes. Et maintenant que je suis sur la distance, j'espère côtoyer les meilleurs et plus que les côtoyer, maintenant les dépasser. Rapide revue d'effectifs, Cyril, un point commun, ils sont tous très enthousiastes. Ouais, tous très enthousiastes, ils connaissent bien vraiment tous la course, ils ont envie chez les garçons de venir titiller Marcel Zamora, mais ne pas oublier non plus chez les filles, Karen Turig, qui avait fait 3e aux Jeux Olympiques au contre-la-montre. Je suis effectivement assez puissante à vélo. Il faudra compter avec moi. Mon point faible, ça reste le marathon. Et j'espère que je conserverai suffisamment d'avance pour attaquer cette épreuve dans les bonnes conditions. Pas facile effectivement pour Karen Turig, qui s'était imposée, on s'en souvient, c'était aux Canaries qu'elle avait remporté il y a 2 ans. En 2008, elle avait laissé de côté la compétition sur distance Ironman pour se consacrer effectivement à l'effort olympique. Médaille de bronze sur le contre-la-montre. Plage du Centenaire, le départ dans une poignée de minutes, la tension monte. Ouais, la tension monte parce que là, il y a beaucoup de monde, 2500 athlètes, on n'a pas l'habitude de partir avec autant de monde, une seule vague et regardez ce départ spectaculaire.
6h30 à l'occasion de cette 5e édition de l'Ironman France. C'est parti, 2500 compétiteurs qui s'élancent tous ensemble pour parcourir dans un premier temps les 3,8 km de natation. Cyril, comment gère-t-on cette anxiété? Là, ça fait vraiment peur parce qu'on sent, quand on est sur la première ligne, on sent les gens derrière pousser. Et j'imagine au milieu du peloton, on prend des coups, on essaye de se faire sa place et c'est pas forcément évident. Malgré les bonnes conditions, on le voit, il n'y a pas vraiment de vagues. Mais heureusement pour les organisateurs que le temps est clément et que la mer est calme. Deux boucles à effectuer, pas deux boucles identiques, une de 2,4 km, sortie à l'australienne, et une petite boucle d'1,4 km. Et deux hommes qui se mettent d'ores et déjà en avant. Deux hommes qui viennent du court distance, Olivier Marceau le Suisse et Clemente Alonso l'Espagnol, normal. C'est normal, c'est des athlètes qui viennent du court distance, ils ont l'habitude de ces bagarres comme ça en natation, ils ont l'habitude de nager vite. Clemente, on l'avait vu dernièrement sur l'Alpha Ironman de Barcelone, et puis Olivier Marceau qui est en apprentissage, on va dire, sur cette distance-là, Ironman, mais on l'a vu dans les interviews, on l'a vu déjà sur les courses précédentes, c'est quelqu'un qui aime bien cette distance et qui est là cette année pour apprendre. Et chez les dames, c'est Katia Konchak, l'Allemande, qui mène le train. Tine Dekkers, la Belge, est un peu plus loin. Chez ces messieurs, on a remarqué Marcel Zamora dans le peloton de tête, mais légèrement détaché déjà, parce que Olivier Marceau et Clemente Alonso, qu'on a à l'instant sous nos yeux, mènent un train d'enfer. Ouais, un train d'enfer, des conditions idéales, on l'a déjà dit. Et puis c'est surtout des athlètes qui, s'ils sortent une bonne natation, ils peuvent peut-être faire les écarts tout de suite derrière en vélo, parce qu'on le sait, Olivier, sur la distance, il a encore un peu de mal sur le marathon, mais en vélo, il a la distance dans les jambes. Le voici, Olivier Marceau, Clemente Alonso, dans la foulée du Suisse. Attention à ne pas glisser lors de ces sorties à l'australienne qui favorisent le spectacle. Ne pas non plus chuter derrière, suivent dans leur foulée Marcel Zamora, Florian Bauer, Maurice Mulder. Tout ça dans un mouchoir de poche avec déjà quelques secondes d'écart. Ouais, quelques secondes d'écart qui seront importantes peut-être à la fin de cette natation, justement pour ces deux hommes de tête, qui va peut-être leur permettre de s'échapper. Mais attention, derrière il y a un gros peloton. On a vu aussi les Français avec Sébastien Berlier. La voici, la sortie de l'eau. La deuxième petite boucle a été effectuée. Clemente Alonso est sorti. Olivier Marceau, sous nos yeux, Florian Bauer, l'Allemand, suivi de Maurice Mulder et Marcel Zamora qui sprinte déjà. Hein. Ouais, Marcel Zamora qui n'a pas envie de louper le wagon. Il le sait qu'il est surveillé ici. Et puis la première femme qui sort également de l'eau. Katia Konchak, effectivement, l'Allemande qui en profite pour se dessaler. Ça aussi, hein, c'est une question de confort. C'est important d'attaquer les 180 km dans les meilleures conditions. Ouais, c'est vrai que là, on nage en mer, donc il faut faire attention. Si on peut prendre 2-3 secondes pour se rincer, c'est important parce qu'il va faire chaud. L'effort va être long, 180 km avec des cols à gravir. Donc si on peut avoir un peu de confort, c'est pas négligeable. Et d'ores et déjà, Olivier Marceau a fait l'effort. Il a pris un léger avantage. Clemente Alonso dans sa foulée. Marcel Zamora, une vraie pile. Hervé Faure à son tour. Marcel qui espère encore accrocher Olivier Marceau pour ce départ du vélo. Il le sait, les Français vont lui mener la vie dure en vélo, et s'il peut prendre quelques longueurs d'avance et pouvoir justement se mettre dans le rythme, ça serait pas plus mal pour lui. On a vu Katia Konchak partir autour de Tine Dekkers avec le 244. C'est pas encore tout à fait terminé pour les amateurs. 2500 compétiteurs s'est lancé donc pour cette 5e édition. Les écarts à la sortie de l'eau, regardez, hein. Déjà 36 secondes de retard sur Olivier Marceau pour le troisième. Plus d'une minute pour les poursuivants. 1 minute 10 pour Marcel Zamora chez ces dames. Là aussi, les écarts sont importants. 1 minute 30 de retard pour la deuxième sur Katia Konchak. Et pas de favorite dans les 5 premières. Position de recherche de vitesse pour Olivier Marceau qui, lui, a un seul objectif, asphyxier tout le monde pendant le vélo. Ouais, il veut faire la course devant. Il est chez lui. Il connaît vraiment tous ces gens qui sont sur le bord de la route. Olivier qui habite Antibes, donc il connaît parfaitement le parcours, et on le voit là, les athlètes qui dès le départ ne chôment pas, ils veulent tout de suite créer des petits groupes, faire des écarts. On le voit, Zamora qui, comme on l'a dit dans au début de ce reportage, a l'habitude de partir très vite. Regardez le profil de ce tracé avec un sommet, le col de l'Ecre, à l'altitude 1120 mètres, mais dès la sortie de Nice, ça monte très vite, la côte de la Contamine notamment, la côte de Gatière. Et c'est là que Marcel Zamora fait son effort pour revenir sur Hervé Faure et sur François Chameau.
Ouais, Hervé Faure et François Chabot qui connaissent parfaitement Marcel et qui, de toute façon, ils ne l'ont pas dit dans les interviews, mais ils le savent, c'est en vélo qu'il faut qu'ils asphyxient Marcel Zamora. Il court trop fort en course à pied, donc ils vont essayer justement de l'épuiser. Et on regarde Olivier Marceau qui, là, dans la difficulté, essaye de voir un peu les dégâts qu'il a pu faire sur ses adversaires. Il vous avait prévenu, il nous avait prévenu, ce serait effectivement très rapide dès les premiers kilomètres. Et leur parole, effectivement, doit être entendue. Regardez, Olivier Marceau, déjà un léger avantage sur un groupe de poursuivants. Il y a Marcel Zamora, il y a Hervé Faure, il y a François Chabot, il y a Simon Bilot, il y a aussi Oscar Galindez, il y a Clemente Alonso. On a l'impression que Olivier a fait le ménage. Ouais, Olivier a fait le ménage, mais c'est important de partir vite à Nice parce qu'on le sait, les grandes difficultés sont dans la première partie. Et c'est vrai que dans les 60 derniers kilomètres, c'est surtout de la descente. Donc si on doit faire les écarts, c'est sur la première partie. Et c'est important de partir sur un rythme très élevé. Olivier, toujours seul en tête, qui va accroître son écart au gré des kilomètres. Il ne relâche pas son effort. Lui qui a pris la deuxième place à l'occasion du Challenge France. On le voit, hein, dès qu'il peut, il relance, il accélère. Et aussi, dès qu'il le peut, les positions de recherche de vitesse, on le voit, hein, des guidons adaptés. C'est vrai que sur des parcours comme ça, on pourrait croire que les athlètes adoptent des vélos traditionnels, mais non, ce serait des vélos de contre-la-montre avec des guidons, avec des casques profilés. Donc vraiment, c'est... une partie cycliste qui n'est pas évidente. Hein. Ça a évolué en tête de la course féminine. Katia Konchak a dû laisser la place de leader à Tine Dekkers. Derrière, il y a Martina Degana, Alexandra Louison, Anne Bélis, Schellenbauer qui a des problèmes, petite crevaison. Et attention, ça va très vite aussi du côté de chez ces dames. Tine Dekkers voit fondre sur elle Christelle Robin, la protégée de Yves Cordier, qui s'était imposé à Lisbonne, qui était resté sur un abandon lors des championnats de France à Belfort. Ouais, là, elle est très puissante à vélo. Hein. Christelle qui est très puissante. Christelle, ce n'était pas programmé dans son programme de course, l'Ironman, mais c'est vrai qu'elle avait fait une course magnifique au Portugal. Elle est passée un peu à côté au championnat de France. Et c'est vrai qu'elle a envie de prendre un peu sa revanche ici, à Nice, chez elle, devant son entraîneur, qui est bien sûr Yves Cordier, l'organisateur également de l'événement. Ravitaillement, dernier kilomètre d'ascension, on va basculer dans la descente. Il faut en profiter pour se refaire une santé parce que derrière, on sait qu'il y a 42 km à effectuer. 42 km à effectuer sous le soleil. La température à ce moment précis frôle les 30 degrés. Hein. Oui, à Nice, il fait très très chaud. La course à pied, un aller-retour, 4 allers-retours sur la promenade des Anglais. Autant dire qu'il n'y aura pas un centimètre d'ombre avec beaucoup de monde, avec beaucoup d'athlètes. Donc, faudra être très très vigilant. Et puis surtout, il va falloir bien s'hydrater, bien s'alimenter justement pour éviter ces coups de chaleur. François Chabot, les dents serrées comme à son habitude, et voici le groupe de poursuivants. Bilot, Zamora, Chabot, Galindez, Faure. Ils sont bien sûr à la poursuite d'un homme, Olivier Marceau, qui compte jusqu'à 6 minutes d'avance à ce moment précis de la compétition sur ses poursuivants. Est-ce que c'est suffisant pour Olivier ? C'est intéressant parce qu'on l'a vu, hein, en Afrique du Sud, il a quand même fait la moitié du marathon en tête de course, ou vraiment très très bien. Bon, c'est pas surprenant de voir Olivier, hein, c'est quelqu'un qui adore les descentes, c'est quelqu'un qui aime bien les parcours accidentés. Et puis on l'a vu à Niederbronn revenir sur Maka qui était parti en tête de course. Donc quand on commence à revenir sur des athlètes comme Chris McCormack ou le Sud-Africain Reinhard Tissink, ça veut dire que on est capable de rivaliser avec les meilleurs. Et on le sait, Olivier est capable de tenir la distance des 180 km. Et c'est vraiment très très intéressant pour lui, pour cette première année, d'arriver en tête comme ça à Nice. C'est super impressionnant. Position de recherche de vitesse, il n'a pas bougé d'iota sur sa selle. La puissance, l'expérience, et Olivier Marceau qui arrive en tête avec un avantage de plus de 6 minutes sur ses concurrents immédiats. Incroyable, 4h45 minutes pour couvrir les 180 km, c'est fou. Ouais, c'est très 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 bien pour Olivier Marceau parce qu'on l'a dit, le parcours est accidenté. 4h45, ça veut dire que sur un parcours moins vallonné, il est capable de rivaliser avec les tout meilleurs. Et au même moment, c'est Christelle Robin qui mène toujours la course du côté de chez ces dames. Elle ne lâche rien, très concentrée. Regardez son visage. Ouais, on la voit, Christelle Robin, très très concentrée. C'est bien, c'est important. Elle est dans sa course.
elle est sur son terrain de jeu également, la partie cycliste. C'est sa première expérience sur la distance Ironman, donc là aussi également très intéressant pour Christelle Robin pour la suite de sa carrière. Elle n'a jamais couru non plus de marathon auparavant, donc c'est une double découverte pour ce qui la concerne. Ouais, une double découverte comme Olivier en Afrique du Sud, mais bon là Christelle elle est chez elle, faut qu'elle oublie sa mésaventure des championnats de France et qu'elle reste sur des sensations positives de l'Alpha Ironman du Portugal, mais je pense que son entraîneur Yves Cordier qui a l'expérience du très haut niveau a su lui expliquer ça ces dernières semaines. Olivier Marceau dans la tente, il se change, prend le temps de se désaltérer, il attaque le marathon, il est seul derrière, ils sont à plus de 4 minutes. Quel sentiment à cet instant précis d'attaquer le dernier rendez-vous de la journée avec cet avantage. Il est bien Olivier là, hein. Il est bien, il part sur un beau petit rythme, il ne s'affole pas. Bon, il a moins d'expérience que Simon Bilot ou que les Marcel Zamora qu'on va voir, mais c'est intéressant. Puis ben là, Simon Bilot qui en profite, hein, il se retrouve avec les meilleurs, c'est vraiment formidable pour lui. Il a 4 minutes 30 de retard sur Olivier Marceau. Regardez Hervé Faure, regardez de quelle manière il attaque le marathon. Ce qui est important à ce moment-là, c'est que Hervé Faure et François Chabot attaquent le marathon devant Marcel Zamora, et ça c'est important. Ils sont à 5 minutes derrière Olivier Marceau, mais ils savent qu'ils sont capables d'aller le chercher. Maintenant, est-ce qu'ils n'essayent pas non plus de mettre la pression à Marcel Zamora dès les premiers kilomètres de course à pied? 5 heures, 5 minutes pour effectuer les 180 km. Christelle Robin est en tête, elle est arrivée la première dans l'aire de transition. Je vous rappelle qu'elle découvre la distance Ironman. Elle va attaquer une épreuve qu'elle n'a jamais courue auparavant, le marathon. Et elle compte à ce moment précis 6 minutes 43 d'avance sur Tine Dekkers et 24 minutes 35 sur Martina Dogana. 24 minutes 43 sur Alexandra Louison. Ouais, c'est énorme, c'est beaucoup, mais attention, Alexandra Louison, elle connaît bien le parcours de Nice à pied, elle adore courir à Nice, faut faire attention, on l'a déjà vu remonter des écarts très importants. Regardez les classements justement à l'issue du parcours vélo et les écarts qui séparent Olivier Marceau de ses poursuivants immédiats. Même profil pour ce qui concerne Christelle Robin. Attention, 6 minutes. C'est peut-être pas tout à fait suffisant pour Christelle Robin et Olivier Marceau. C'est leur point commun, c'est l'écart qu'ils comptent, ou du moins l'avantage qu'ils comptent sur leur poursuivant immédiat. Et là on suit la tête de course masculine, avec Oscar Galindez. François Chabot devant Marcel Zamora est déjà dépassé. François Chabot, il attaque Hervé Faure maintenant. Ouais, il y a Hervé Faure qui est encore devant. Hervé Faure, on l'a vu hein, partir. On n'avait pas l'impression qu'il partait sur un marathon. Il voulait pas d'avoir Marcel Zamora à ses côtés. Maintenant, est-ce que Marcel va faire l'effort tout de suite pour revenir sur Hervé, ou alors est-ce qu'il va le laisser prendre quelques longueurs d'avance et puis revenir tranquillement dans la course comme on a l'habitude de le voir faire. Marcel Zamora qui a l'habitude, qui peut courir le marathon en 2,45. C'est pour vous dire à quel point il est dangereux. Hervé, lui, qui ne relâche pas son effort, qui revient sur Simon Bilot. Il avait une minute de retard sur Simon Bilot au départ du marathon. Ça y est, la minute est effacée. Il est désormais en deuxième position derrière Olivier Marceau. Et Olivier, là, pas tout à fait la même foulée. Pas tout à fait la même foulée, moins agressif, mais bon, Olivier, il gère, hein, il est là pour apprendre. Et puis, voilà, là, là on n'a pas l'impression d'être sur un Ironman. Hein. Marcel Zamora et Hervé Faure, ils sont pas là pour s'amuser. Hein. Incroyable, Marcel Zamora, on a l'impression qu'il court un 1500. Il vient de prendre Hervé Faure, il est en deuxième position. Il a pour objectif maintenant de fondre sur Olivier Marceau, et c'est fait. C'est fait. À l'occasion du deuxième tour, le Suisse a laissé la première place à l'Espagnol qui s'est déjà imposé à 3 reprises ici. Ouais, c'est son jardin, Nice, c'est un parcours qu'il affectionne. Il aime la chaleur, il aime les parcours plats comme ça en course à pied où il n'y a pas beaucoup de relance, où une fois qu'il a lancé la machine, il est sur un rythme d'enfer. Un peu à l'image d'Hervé Faure, mais le problème c'est que il y a une petite différence dans les deux rythmes. Mais c'est bien pour Hervé, il tente des choses, il essaye de trouver des solutions justement pour battre son ennemi numéro 1 ici à Nice. Et puis c'est important pour lui, on le sait, lui aussi il a connu une mésaventure au championnat de France, il n'était pas bien, il a eu froid. Et puis là, il revient bien pour la suite de cette saison puisqu'il est actuellement deuxième. C'est important pour Hervé. Marcel Zamora, l'Espagnol, triple vainqueur ici à Nice, est en tête de cette épreuve, peut-être vers une quatrième victoire, un quatrième titre. Ce serait extraordinaire, ce serait digne des performances réalisées par Chris McCormack en Australie, par Marino van den Ecker en Autriche et bien d'autres. Le public est venu pour le soutenir. Olivier Marceau, qui à un moment donné était en tête de la course, essaye de résister pour
tenter de garder une place sur le podium, ce sera difficile quand même. Ouais, ça sera difficile pour Olivier, mais bon, il est là, il observe, et puis je pense que dans sa tête, il se dit que de toute façon, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ça va lui servir pour les années à venir et pour les futurs Ironman qu'il fera dans sa carrière. Hervé qui s'est blessé cet hiver, une chute lors d'un entraînement à vélo, une chute sur le visage d'ailleurs, on a encore quelques marques sur les lèvres et hauteur des dents. Abandon pour François Chabot. Abandon. Je savais que ça allait faire un petit peu que ça. Hein. Ouais. Bon, je recommence à peine à m'entraîner à pied, donc bon, voilà quoi. Il n'y a pas de miracle, hein, de toute façon, ouais, dans ce genre de compétition, il n'y a pas de miracle. Hein. Il conserve le sourire, le vice-champion du monde longue distance, Christelle Robin. Elle comptait plus de 6 minutes 30 d'avance sur Tine Dekkers, la Belge, au moment d'attaquer le marathon, ça revient derrière. Il faut qu'elle résiste, elle habite ici, elle est soutenue par son public, Christelle. Ouais, c'est bien ce qu'elle fait, faut qu'elle résiste, faut qu'elle aille chercher ce podium, ça va lui faire du bien après sa déconvenue des France, mais surtout ça va lui rappeler les bons souvenirs du Portugal avec un début de saison ben, vraiment bien réussi. Donc première expérience, jusqu'à présent c'est parfait pour Christelle. Attention à Tine Dekkers, la Belge, qui revient tout doucement quand même. 9e des championnats du monde longue distance l'an passé, 5e du Half Ironman de Californie cette année. 3e position pour Martina Dogana, qui s'était imposée ici l'an passé. Et regardez à quelle vitesse Alexandra Louison revient sur la tête de course. Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que c'est pas de prise de risque inutile, ça? C'est vrai qu'Alexandra, là, est vraiment partie très très vite. Elle est très 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 loin à la fin du vélo. Peut-être que ça l'a un peu énervée. On la voit partir très très vite, malgré que Martina Dogana court aussi également vite. Donc c'est pour vous dire à la vitesse à laquelle Alexandra court. Elle comptait 24 minutes de retard, Alexandra, sur la tête de course sur Christelle Robin au moment d'attaquer le marathon. Elle reprend Martina Dogana, désormais elle est en 3e position. Et devant, ça continue d'évoluer. 4 allers-retours, je vous rappelle, à effectuer sur la promenade des Anglais. C'est un vrai cagnard qui inonde la course. Et à l'occasion du 3e tour, Tine Dekkers va prendre le meilleur sur Christelle Robin, la Belge donc. Est désormais en tête de la course féminine. Dans le même temps, Alexandra Louison a rétrogradé, elle a perdu une place, elle a laissé Martina Dogana reprendre la 3e place. Ouais, on l'a vu un peu, Alexandra, elle coince là un peu à pied, c'est pas habituel chez elle. En général, ici à Nice, elle déroule, elle avale les kilomètres, elle est partie très très vite, peut-être qu'elle s'est mis aussi un peu la pression après son parcours vélo un peu raté. Mais on sait jamais avec Alexandra, hein. Elle peut revenir sur la fin de course. Hein. La leader de la course féminine, c'est elle, Tine Dekkers, la Belge. Elle a dépassé Christelle Robin. Christelle qui est en 2e position et qui va faire le nécessaire pour conserver cette place, conserver une place sur le podium à l'occasion de cette première expérience sur distance Ironman. Regardez la concentration de Tine Dekkers, la tête bien haute. Le regard au loin, Marcel Zamora en termine, lui, avec sa compétition. Et c'est une évidence. L'Espagnol va remporter pour la 4e fois consécutivement l'Ironman France. Ouais, 4e victoire consécutive pour Marcel Zamora. Il rentre un peu dans la légende de l'Ironman, à l'image des Chris McCormack et compagnie qui ont souvent remporté plusieurs fois la même épreuve. Voilà, 4e succès pour eux, Marcel Zamora. 8h30, 06 secondes, mais surtout un marathon en 2h43. C'est incroyable. Incroyable. Son point fort, tout le monde le savait au départ. Hein. Les Français savaient que c'était au marathon que Marcel était capable de faire la différence. Ils lui ont mis la pression en partant vite. Ils ont essayé d'attaquer à tous les niveaux en vélo. Ça n'a pas réussi. Marcel a fait 2,43 au marathon. C'était effectivement une journée difficile. Bon, c'est sûr qu'Olivier a imprimé un rythme énorme. Mais pour lui, la distance était assez nouvelle. C'était une sorte de découverte. Donc je m'attendais à pouvoir contrôler et à revenir progressivement pendant la course à pied. 2e place pour Hervé Faure à plus de 10 minutes. 10 minutes et 49 secondes de Marcel Zamora. Performance très très encourageante pour Hervé. J'ai fait le maximum aujourd'hui, je veux dire, j'ai rien à me reprocher. Ouais, je suis tombé encore sur un Marcel Zamora vraiment très fort, à mon avis beaucoup plus fort que les autres années. C'est la surprise du jour ou presque. Simon Bilot, le Français, prend la 3e place. Lui qu'on avait vu en Australie terminer 5e de l'Ironman Western Australia. Simon Bilot complète ce podium à plus de 16 minutes du vainqueur. Ne tenez pas compte de ce tableau, les écarts ne sont pas tout à fait exacts. 4e place pour Clemente Alonso, 5e place pour Olivier Marceau, à souligner. Et la victoire pour Tine Dekkers,
la Belge, qui termine sa course en 9h30 minutes et 29 secondes. Ah, j'ai très très bien couru, je suis vraiment très contente de ma course, mais je pense que je peux encore faire mieux. Il faut simplement s'entraîner davantage. C'est ma première victoire sur distance Ironman. C'est la première fois qu'une athlète belge s'impose sur une telle distance. Je suis absolument ravi. Je suis très, très, très contente de ma journée. Deuxième place. Elle a réussi son objectif, son pari. Deuxième place pour Christelle Robin en 9h34 minutes et 19 secondes. Visiblement, Yves a trouvé les bons mots dans ce dernier mois qui suivait les championnats de France pour remotiver Christelle Robin. On l'avait vu vraiment très, très triste après ses championnats de France. Et vraiment, belle première expérience sur la distance Ironman, sur un Ironman pas facile à Nice. Troisième place pour Martina Degana. Fin de la fête. Prochain rendez-vous pour ce qui nous concerne, ce sera le Brésil la semaine prochaine. Salut à tous. Salut.